Rebonjour à tous, Sid avec vous. Là, je vais vous faire l'analyse. Bonjour, bonjour, Sid Trading avec vous. Je vais vous faire l'analyse de Fantôme. Fantôme, d'accord? J'ai mis mon alerte a sonné et je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Déjà, je vais vous montrer en daily. Donc, en daily, j'ai un BC, j'ai un AR, j'ai un ST, j'ai un SO et là, j'ai un UT qui a été fait. D'accord? Et on attend bien sûr l'UTAD. Ça, c'est sur la schématique daily. Ok? Schématique daily et j'attends ça. Donc ensuite, là, j'ai quoi en petite unité de temps? Donc là, d'abord, on a une UT, on a un retracement. Donc normalement, quand on a un retracement ici de UT, il doit venir en dessous de cette zone-là, donc en dessous de la ligne des 50. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite boîte-là. Donc l'objectif est qu'il vienne ici, aller chercher ici ce niveau-là. D'accord? Ici, j'ai un price delivery. Regardez, si je zoome ici, je vous le montre. Il y a un price delivery ici. Et on a un démarrage du prix ici, un déséquilibre du marché là. Et un déséquilibre du marché ici. Donc le prix risque de redescendre ici dans cette zone-là. Ok? Et en plus, c'est la zone discount daily. Discount daily. Là, on est en zone premium daily. Ok? On va voir ce qui se passe ici. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc là, on est en valeur H1 rapidement. Et je vais vous montrer. Donc là, regardez. Il y a une distribution BC, AR, ST, SO. Et ici, on a fait l'UT. L'UT de cette zone-là. Donc là, on est sur l'UT. Donc je vais vous le marquer. Voilà, habituellement, moi je marque pas trop, mais je vous le marque pour faire les vidéos. Donc là, on est sur l'UT. Ok, on va aller en unité de temps plus petite. On va aller en 15 minutes pour préparer. Il y aura un UT, il y aura un UTAD. Donc ici, UT, BC, AR, ST, SO. UT ici. Et derrière, normalement, il y aura une descente et une remontée pour faire un UTAD et un UTAD après la chute. S'il n'y a pas d'UTAD, il y a test sur UT. On va aller en 5 minutes. Ok, donc là, je vous ai expliqué. Donc là, on a une distribution qui se met en place. Price delivery ici, qui a été ici start. Qui a été start ici. Quand il a fait la petite distrib, le début de la distrib ici avec le saut, il a été start. Donc il a rééquilibré le marché ici. Ensuite, il a créé sa hausse. 1, 2, 3. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a le 4, il y a la vague 5 pour créer l'UTAD. Donc là, on va avoir une chute ici. Et après, on va avoir une hausse pour faire l'UTAD. OK? Donc 1, 2, 3, 4. Ceux qui font du trading pur, eh ben, ils peuvent attendre ici, bien sûr, l'UTAD. Ceux qui ne font pas du trading pur, l'UTAD. Pour celles, après, il y en a qui n'aiment pas celles, qui aiment juste acheter. Donc si vous achetez, vous attendez, comme je vous ai dit, la zone tout en bas en discount. Ceux qui trade, ils peuvent engager ici, bien sûr, un sell. Sur cette zone-là. Donc on va avoir un retest ici sur cette zone ici. Je vous la montre directement là sur cette bougie de liquidité. Ici, on va avoir un retest de la zone ici. Vous pouvez prendre le sell ici pour aller chercher un objectif tout petit, donc court terme. Donc un objectif court terme qui pourra aller chercher cette zone-là par exemple, celle-ci, un exemple, soit celle-là, soit celle-là. Ok, si vous voulez prendre des risques, vous sortez sur la première. Après, si vous devez aller chercher plus loin, vous pouvez bien sûr aller chercher plus loin. Ok? Mais dites-vous bien que le prix risque de faire ceci. Donc là, on est sur l'UT. Là, il va faire ça. Il va faire un retest ici, un plongeon là, au plus bas, ou un peu plus bas ici. Après avoir, soit là, ou soit ici, par exemple, ici. Et après, refaire ici un. Nouvelle ATH, UTAD, un passé par l'ATH, c'est un nouveau plus haut. Et après, redescendre, aller chercher notre zone rectangulaire, le petit carré là que je vous ai dit. Donc là, je vais dézoomer rapidement. Bon, après, je vais rentrer en position. J'attendais ici. Donc là, on a un break of structure, break de la structure et une rehausse ici. Vous le voyez en live. Après, je vais rentrer en position. OK. Donc l'objectif pour les holders, daily. Donc Delhi, elle est là, clac clac, voilà, sur cette zone-là. Ok, voilà, sur ce, pour la petite vidéo rapide, pour vous montrer, moi je vais prendre la position directement en sell dès qu'il va venir chercher cette zone-là. Donc cette zone-là qui m'intéresse, donc celle-ci. Ok, sur cette zone-là, sur cette bougie-là. Regardez, là il remonte vers cette bougie et après on verra la descente. Allez, bisous à tous, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles aventures.